couché dans le foin. J'ai été mis à la porte de ce que je considérais comme chez moi. Et parce que je n'étais pas chez moi, j'étais locataire, et les propriétaires ont désiré vendre cet appartement. Je n'avais pas les moyens de l'acheter. C'était un joli appartement dans lequel je vivais depuis 30 ans. Et bon, j'étais un peu indissociable, en tout cas aux yeux de mon entourage, de cet appartement. Et alors, ça a été une expérience assez douloureuse, assez brutale. Et tout d'un coup, je me suis rappelé toutes les maisons d'une vie dans lesquelles on passe son enfance, on passe son adolescence, auxquelles on s'attache, auxquelles sont liés des gens que vous aimez. Et alors, ça a entraîné, en effet, une espèce de recension des autres maisons de la vie, celle de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. Du point de vue littéraire, ça, après, comment faire quelque chose de littéraire, c'est une autre question, c'est une autre difficulté. Rachat, c'est un mot relève quand même de la religion, et qui est un peu pesant. Mais en effet, ma sœur, quand elle a commencé à être un peu avancée dans sa carrière d'avocat, m'a dit « on rachètera Mako, on rachètera Terrebien, on rachètera ces maisons perdues, ces maisons fugitives », pour utiliser le terme qui vient de Proust, mais qui a été repris par Mauriac. Est-ce que la littérature peut racheter quoi que ce soit? En tout cas, elle peut tenter de redonner un peu de vie à ces maisons, un peu de vie à ceux qui les habitaient. Et oui, sans doute que l'entreprise littéraire relève un peu du rachat. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'était pas possible que tout cela soit effacé d'une manière définitive. Et donc, par la littérature, j'arrive à redonner un peu d'existence à ces maisons, un peu d'existence à les gens qui les ont habitées, et à me racheter personnellement, ça j'en suis pas sûr. C'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, racheter les autres, ceux que vous avez aimés, on peut tenter de le faire. Ça m'agace beaucoup, pour tout vous dire, quand on parle de mélancolie, de nostalgie, de regard vers le passé à propos de ce livre. Et bien entendu, il y a un peu de ça, mais il me semble qu'il y a aussi de la joie, qu'il y a aussi une adhésion au présent, naturellement, et qu'il y a aussi, en effet, ce que vous dites, c'est-à-dire une manière de restituer quelque chose de vivant, de clair, de lumineux à ceux qui ont été et qui m'entourent encore, bien sûr, énormément, même s'ils ont disparu. Et je ne trouve pas que ce soit un livre mélancolique, ça, c'est déjà beaucoup dit. Je trouve au moins par l'écriture et par la façon de traiter les sujets, il y a de l'allégresse et en tout cas de la distance, avec en effet des souffrances qui ont été réelles. L'éditrice, quand elle a eu sa première réaction par rapport au texte que je lui ai envoyé, m'a dit « on est tout le temps entre le rire et les larmes ». Et c'est la vie. Et alors, par exemple, si la chanson tient une place importante dans ce livre, c'est qu'elle a tenu une place très importante dans ma vie, et même dans ma vie partagée, par exemple avec la grand-mère qui occupe une place essentielle dans ce livre et qui adorait les chansons de Trenet, les chansons des frères Jacques, les chansons de Brassens que je lui faisais entendre. On disait que je
pervertissait ma grand-mère. Et donc, il y a dans ce livre, en effet, une tension entre la mélancolie et puis l'allégresse, et puis finalement le choix, le choix d'une vie heureuse, quoi. On n'a pas tellement le choix, vous savez. Seul